Salut les noobs. Alors j'ai plus beaucoup de voix aujourd'hui, du coup vous allez éviter de me faire répéter, d'ailleurs je vais éviter de trop parler, c'est déjà un gros effort que je fais là. Aujourd'hui on va faire un petit peu de 1v1 avec le steamer. Alors, il y a quelques jours je me suis perdu sur YouTube et j'ai vu une vidéo presque érotique sur les sangsues, hein, une sangsue en 1v1 contre 1v1, c'est à voir, hein, c'est impressionnant, force est de constater que la sangsue c'est quand même bien cheat. Du coup aujourd'hui je vais lui piquer de ses techniques en jouant le steamer vol de vie avec quelques points de bouclier par-ci par-là. Alors au départ je voulais la jouer feu avec le massier, hein, le truc c'est que ça manque quand même pas mal de dégâts et que bah, le selpâtre a été up, mais en fait le malus dégâts ne dure qu'un seul tour et du coup il s'annule avec la harpo. Et se passer de la harpo, c'est pas ce qu'il y a de plus envisageable. Du coup, c'est dommage, hein, parce que ça aurait bien embêté les joueurs d'archaïque, hein, un malus de 60 dommages. Mais du coup, on va jouer le steamer en Cthulhu LOL, et je vous mets rapidement les sorts qui vont nous intéresser. Allez, on va partir contre un Yop qui va être lance corrompu de poux, hein, normalement c'est comme ça que ça se passe. Alors contre un SRAM R apparemment. Alors je suis sûr du 51% de chance de CC, c'est pas énorme. Enfin c'est toujours ça, hein. 1 sur 2, mais sans CC, je tape presque pas. Hein. C'est ce qui est un petit peu malheureux avec les modes Talkasha, Cthulhu. Ok, je pensais qu'il allait plus se cacher par là et stacker quelques pièges ici, c'est pour ça que j'avançais prudemment. De toute façon, il faut que j'avance. Hein. Dans la vie, il faut toujours avancer. Alors sur ce combat, je suis plutôt chanceux sur les jets que je sors avec l'arc, et de son côté, bon, je me régène, et lui, j'ai pas l'impression qu'il veut me faire énormément de dégâts. Il a quoi comme cac? Normalement, il est en mantage, il pourrait me coller quand même quelques dommages. Alors on va essayer de le trouver. Voilà, vous voyez, je déclenche quand même pas mal de ces pièges, mais j'arrive malgré tout à rester full life, simplement parce que j'essaie au maximum de me mettre des points boucliers. Alors il m'a érodé, hein, c'est pas sympa de sa part, mais voilà, sinon, ça devrait pouvoir se faire. Ok, je l'ai trouvé. Et du coup, ça signe la fin du combat. Bon,
Pour le prochain, je l'ai filmé hier en fait, c'est un combat que j'ai fait contre un Upper Mage et je le trouvais vachement intéressant, c'est pour ça que je l'ai gardé de côté. Je vous mettrai une petite musique, de toute façon c'est pas ma voix cassée qui va vous manquer je pense. Et puis voilà, pour ce qui est de l'intro que vous avez vu en début de vidéo, je verrai si je la conserve. J'avais envie de faire un petit peu une intro dans le style d'un opening d'anime. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez sans doute que je suis dans une période où je regarde pas mal d'animes. Aimez la vidéo si vous aimez les sangsues et tout ce qui est gluant, et on se dit à très vite. Ha ha ha!